salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est bête hein. Il y a 15 jours où j'ai pas vlogué, mais voilà, ça commence à me manquer, ça craint quand même. Bref, je vais vous faire le petit point, bien évidemment, santé. Alors, mon doigt de pied, il va beaucoup mieux, et tant mieux, bien que je continue à le soigner parce que j'ai encore une petite douleur et je voudrais pas que l'infection revienne. Je crois que mes lunettes sont sales, je vois des petites traces. Et ma tête, bah, depuis ce matin, la douleur derrière l'œil est partie. Je viens de sortir de la douche, mes cheveux sont à peine secs. Je crois qu'il y a Jackie qui est là, je l'ai vu vite fait. Je vais aller voir si c'est vraiment lui. T'aimes ça être au soleil, mon choupillon? Oh oui! Allez go, je vais aller bosser. Je vais m'avancer sur mes vidéos. Qu'est-ce que t'es mignon. Je suis en train de sélectionner 7 vêtements. J'ai une proposition, une collab avec la marque Fairy Season, qui m'a proposé de choisir 7 vêtements, enfin aussi bien des vêtements, mais ça peut être aussi des chaussures de leur site. Après, je ferai une vidéo try-on où j'essaierai devant vous, quoi. Et je trouve ça cool, je fais pas souvent des collabs vêtements, pourtant j'adore ça. Ils ont des suites de Noël super mignons, même une robe trop mignonne, mais le temps que je reçoive, Noël, ça va être passé, donc non. Quoique, je me demande un petit pull de Noël quand même, ils sont trop mignons, j'adore. Nouvelle livraison ce matin, alors... Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, et ça, évidemment, le plus joli, il n'est pas pour moi. Ok, bon, bah voilà, l'un des 3 paquets, parce que j'ai reçu 3 paquets en fait. Ma jolie Kindle, le retour, et bah c'est l'édition que je voulais, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est fleurs dorées, et je peux vous dire que rien que là, ça sent tellement bon. Et à l'intérieur, je crois qu'on a un bijou, alors cette fois-ci, c'est un bijou doré. Et bah, on va regarder ça ensemble, de toute façon, l'évolution, comme je vous fais comme d'hab. Et je rappelle que cette bougie m'a été offerte par Octoly et ma jolie candle. Je viens de préparer ma petite salade, alors je sais que ça fait très estival, mais j'adore manger ça. Je vais vous montrer un truc très impressionnant. D'habitude, on dit 1, 2, 3, et là, en moins de 3 secondes, vous l'entendez? Regardez la vie. C'est fou! Oh le dingo! J'attends ma petite tartine qui chauffe au four pour compléter. Et ce soir, je ferai mes petites aiguillettes de dinde. Ouais, ça va être sympa. Et ben voilà, c'est parti! Je vais commencer le montage de... Vous savez, la vidéo que j'avais tournée, My Sweetie Box, mais bon, j'avais trop mal au pied, j'ai dû stopper net. Il ne me reste plus que le montage à faire. Et après, comme je vous avais dit, j'aimerais bien me lancer un petit peu dans la préparation de mon DIY et faire un portant, un superbe portant en bois. Alors idéalement, j'aimerais bien en bois flotté. C'est possible que j'en trouve à la foire fouille, surtout en ce moment, il y a pas mal d'éléments comme ça de ce style. À voir. Alors après, hein, j'aurais peut-être le matériel, mais après, comment on fait, je sais pas, il faut peut-être des visseuses, des machins. Je vais voir. Vous savez ce que je fais? J'ai trouvé une alternative. Comme je suis fan de glace et que je ne peux plus manger de sucre, je prends des petits quartiers de mandarine que je mets au congélateur. Et après, bah, c'est juste trop bon. T'as l'impression que c'est des sorbets. Par contre, j'arrive plus à les... C'est complètement congelé. Ça y est, c'est en train de charger. C'est quasiment en ligne sur la chaîne des box. Il y a un truc qu'il faut que je fasse depuis un moment. C'est changer mon sac à main. Je porte le sac à main qui est un sac à main, on va dire, d'été. Alors que j'ai reçu pour mon anniversaire un magnifique sac Longchamp. Que j'ose pas utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais il est vraiment temps que je le change. Voilà le sac. Bon, de toute façon, vous avez dû le voir hein, à travers mes vlogs. On est d'accord que ça fait super été. Hein. Vraiment, je l'ai adoré. Hein. C'est pas grave, je le reprendrai plus tard. Je vais le vider et je vais prendre celui-ci. Il est vraiment très beau. Hein. Je crois que c'était la nouvelle collection, en fait. Il venait de sortir. Et je vais le remplir. Et en faisant le tri, regardez ce que je viens de retrouver. Bon d'achat à la foire fouille valable jusqu'au 14 décembre. Donc il reste 2 jours, je vais y aller, bah ouais. Je suis contente, j'ai remis ce jean, c'est un jean que j'ai jamais vraiment pu mettre, je m'étais plantée, c'est un taille 34, et là j'arrive à le remettre. Bon d'ici j'avoue, hein, ça sert, parce que moi je suis quand même, je fais du 36-38 hein, en pantalon, et bah forcément, hein, ma taille commence à changer. Ouh, il fait super froid, oh, truc de dingue. Ouf, si vous entendez de la musique, c'est... On l'entend ici, c'est la patinoire. Mais ouais, j'étais pas préparée là en fait.
Eh bien écoutez, au niveau de mon pied, c'est très limite. Ça fait un moment que j'ai pas mis de chaussures et je sens que ça me picote. Donc c'est encore un peu juste. Bon, j'arrive là chez Farfou. Bon, je vais pas traîner, je vais aller directement là où j'ai besoin. Mais je sais même pas où c'est. Ah, peut-être si, là-bas. Alors j'hésitais avec pas mal de petites choses. On avait notamment ces petites corbeilles en métal cuivré rosé. Elles sont mignonnes, mais bon, j'en ai déjà pas mal. J'ai pas trouvé un pour faire le portrait. Cette lampe, je l'aime beaucoup. Côté là, comme ça, métal. Mais le truc, c'est que 69 €, quoi, même si j'ai 15 € de réduit. Ça aussi, c'est sympa, ces petits éclairages. Et bah, au final, j'ai vraiment bien fait parce que c'était pas 15, mais 20. 20 € parce qu'il y avait 15 € le bon et 5 € en fait avec ma carte. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai acheté pour 27, donc j'ai payé 7 € tout. Je vais vous montrer à la maison parce que là, les gens commencent à me regarder, ils me prennent pour une débile. En fait, je vais pas rentrer tout de suite. Juste à côté de la Farfou, il y a la Halle aux chaussures et je cherche des petites bottes ou des cuissardes. Donc peut-être qu'il va y en avoir. Je vois. J'ai vu cette petite paire de cuissardes. Je suis en train de les essayer. Je mets que celle de droite parce qu'avec mon panari, l'autre, non, ça, je vais avoir trop mal. Je vous montre quand même ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez, elles sont pas très hautes. Hein. Hop. Mais j'aime bien avec un pantalon comme ça, serré. Je suis de retour. Très contente de mes petits achats. Alors, mention spéciale pour mes cuissardes. Qui, je trouve, me vont plutôt pas mal. J'ai changé, je voulais mettre du 37, ce qui est plus ou moins ma taille. J'ai pris du 36, comme ça, il pousse mieux au niveau de la cheville, c'est plus serré. Et bien sûr, hein, ça me va. Je vais vous montrer mes autres petits achats de la Farfou maintenant. Alors, tout d'abord, ce porte-courrier que j'avais déjà repéré, que je trouvais cher. 18 €, quoi. Bois et blanc. Il est trop beau. Dedans, moi, je vais mettre toutes mes cartes postales, un petit peu Instagram, là, que j'ai acheté dernièrement. Et ben, mon courrier. Je pense que ouais, il va aller dans mon bureau. Je le trouve vraiment très très joli. J'installerai plutôt demain quand il fera jour. Ensuite, ce joli petit pot. Ça, c'est le genre d'élément que j'adore mettre un petit peu partout, notamment sur mes étagères. En plus, voilà, pas très cher. Ils en font plein d'ailleurs. C'est très joli. Cette paire, s'il vous plaît, de chaussons licorne taille 36-37. C'est tellement mignon. Tu m'étonnes. Il y a marqué chaussons cocooning. C'est adorable. Hein. C'était combien ça? 4 €, je crois. Et cette petite pochette, vous me décrivez ce genre de choses, 1 €, je sais plus, 1,80 €, je crois. L'ensemble, il y en a pour 27 € et j'ai payé 7 €. Donc ça vaut trop le coup, je suis contente. S'il te plaît, il se passe quoi dans ta vie? Alors non, je t'explique. Ah oui, parce que Jackie donc, mange toutes mes... Enfin, il mange tout, voilà, concrètement. Je ne peux pas avoir de vraies fleurs et de vraies plantes à la maison, il te défonce, il te mange tout. Et maintenant, même celles qui sont artificielles, il les abîme. Je ne sais plus quoi faire. Et mes cuissardes, voilà. Donc 49,99 €. Honnêtement, donc je les ai achetées à la Halle aux chaussures. Honnêtement, elles sont pas chères pour... Oh merde, oh, j'ai flippé. J'ai flippé, en fait, je les ai mises ailleurs. J'ai cru que... Donc elles sont très belles. Je vous les montrerai portées plutôt demain. Il y aura une meilleure luminosité. J'avais pas fait gaffe à l'heure. Il est presque 8 h. Je suis en train de monter mon vlog. Je vais me faire ce que j'avais dit, je vais me faire des petits émincés de poulet, ça va jusqu'à ce soir en plus. Avec, je sais pas, je vais voir, je vais trouver les petits légumes. Je viens d'entendre d'en bas la machine qui bip, c'est vrai qu'il faut que j'étende mon linge. Ah, puis il faut que je désétende cette machine aussi. Allez, on va faire ça vite quand même. Alors au final, je vais faire donc les petits émincés que j'ai coupés, je vais les faire avec celle-là, c'est très bon. Les céréales méditerranéennes persillades. Ben voilà, ça a l'air super bon. Tiens bébé. Merci bébé. Je suis en train de me regarder une petite vidéo sur Netflix. C'est le stagiaire avec De Niro, Anne Hathaway. Et ben, ça a l'air pas mal du tout. Et puis ben là, je vais me faire ma petite infusion. Regardez-moi la mignonnerie qui est ici. Vous mettez trop trop mignon comme petit chat. J'ai passé vraiment un bon moment avec ce petit film. En même temps, De Niro, ça joue super bien. Sur Netflix, ça dure 2 heures. Je vous le conseille vraiment, foncez. Demain, je vais vous montrer un peu mieux mes cuissardes portées, avec, je pense, 2 petites tenues. Et aussi, un des 3 balayés que j'ai reçus ce matin. Je vous ai montré juste la bougie. Il y a un produit que j'ai testé déjà aujourd'hui.
que je reteste demain. Je vous en parle, je suis trop contente. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau podcast.